kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda, we ain't got no time. Aujourd'hui j'inaugure la petite série de vlogs que je vais faire ici au Kenya, parce que je suis en direct de Nairobi. Hyper contente d'être ici, franchement vous n'avez pas d'idée. C'est mon premier voyage en 2023 et quel voyage, enfin, je commence fort franchement. Ça faisait plusieurs semaines que je réfléchissais à aller au Kenya et j'ai organisé le voyage en même pas 2 semaines, donc je suis super contente d'être ici. Je suis arrivée hier soir, je suis fatiguée, je suis même pas après terrain du tout, je suis arrivée, il était minuit. J'ai fait le trajet de Paris jusque Nairobi en passant par le Qatar, mais ça, je verrai une vidéo où je vous montrerai un petit peu les détails du voyage en lui-même. Et je suis arrivée à minuit ou 23h, à minuit à Nairobi, sous la pluie, et c'est que maintenant que je commence enfin à vivre. Ce matin ça a été assez compliqué pour moi parce que j'avais pas d'internet, j'avais pas de connexion internet, que ce soit le wifi de l'appart ou la 3G, j'avais pas de code de carte SIM. Donc ma mission, avec le peu de sommeil que j'avais accumulé, ma mission du jour, enfin du matin en tout cas, est de trouver une carte SIM, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui j'ai internet, je me sens vachement libérée là, je suis vraiment à l'aise et je suis en train de préparer. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou, vous donner un petit contexte. Fun fact, pourquoi je suis à Nairobi? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a quelques mois j'ai fait un test ADN et qui s'est avéré que j'étais kenyane à 35% d'après mon ADN. Donc je sais pas, j'ai été intriguée par le Kenya, j'ai dit je vais venir. Après ça fait sens parce que Congo, du côté de ma mère, je fais partie de la tribu Muswahili. Donc pour moi ça fait du sens de savoir que j'ai du sang kenyan, ça m'étonnerait pas. Mais bon bref, here I am in Nairobi, Kenya, avec une vue imparable sur la ville. Enfin, si vous voyez la vue que j'ai, enfin bref, je vais vous montrer tout ça au moment voulu. Là, je vais m'apprêter, je vais commencer ma journée parce qu'il est déjà midi, je suis assez fatiguée mais j'ai de l'énergie, donc je vais m'apprêter et puis voilà. Je suis en train de m'apprêter et aujourd'hui le plan c'est que je reste dans Westland, enfin que je reste dans les alentours parce que voilà, je viens d'arriver, autant que je prenne mes marques. C'est ce que j'ai prévu de faire. Du coup là je vais aller déjeuner parce que j'ai vraiment faim et au passage, enfin, je vais aller à pied parce que c'est vraiment pas très très loin. Et au passage je m'arrêterai dans des petites échoppes de street food parce que j'ai vraiment envie de goûter la cuisine locale. Et j'ai hâte de voir tout ça, je suis trop excitée. Pardon, excusez-moi. Look at the view. Behind me, look at the view here. Makeup done. Je kiffe trop. Je m'en vais en direction du restaurant. Ça va être un peu compliqué de marcher. C'est un petit peu compliqué de marcher, mais je suis à Nairobi. Je suis trop contente. Là, je vais manger. Je me dirige vers un restaurant qui s'appelle Bat El Salam, qui se situe pas très très loin de mon appart. Donc... Bon,
pas annoncé une météo catastrophique parce qu'on est au début de la saison des pluies. Et au contraire, il y a un soleil radieux et je suis vraiment contente d'avoir prévu des tenues d'été. Et d'avoir prévu des tenues d'hiver aussi, parce que dans tous les cas, je suis bien quoi. Voilà. Des restaurants qui s'appelle Beth El Salam. Il est à 10 minutes à pied de mon hôtel. Franchement, c'était hyper sympa à trouver. J'ai jamais vu la porte qui semblait à quelque chose de très oriental. J'ai dit, ça peut être sur mettre là. Et le garde m'a confirmé que c'était bien ici. Donc, je me suis installée. Je trouve ça super beau. C'est magnifique. Et il n'y a personne. Je suis toute seule. Donc, c'est encore mieux. Je suis assise à une table plutôt bien située. Pas trop au soleil, pas trop à l'ombre. Et je suis contente. Vraiment, c'est beau et j'espère que la nourriture va être aussi super bonne. J'ai vu quelques revues qui semblaient aller dans ce sens là. Et en termes de prix, on est plutôt sur des prix assez élevés, on va dire. C'est à dire une bonne dizaine d'euros le plat. Mais bon, je me dis, c'est une première, on teste et après on restera sur du local à 100%. Alors nous avons ici du poulet qui a été rôti avec une sauce à base de kale, kale qui est une sorte de chou. Et ici nous avons des crispy ugali chips, donc des chips de ugali. Je sais pas exactement c'est quoi, mais je sais que c'est frit et voilà. J'ai hâte de goûter tout ça. Of going to try. Donc on va essayer les petits plats. C'est quand même un peu piquant aussi. La ugali chips, mais c'est juste celui. La texture des kale, je pensais pas que ça allait faire comme ça. Je les imaginais même cru quand j'ai lu le menu. Mais vous voyez, la texture, elle est assez. C'est cuit quoi. C'est cuit, ça va passer sous tomate. C'est super bon. Les chips ugali se présentent comme ceci. Et à l'intérieur, en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais vous avez. L'intérieur qui est bien coulant, moins mielleux. Bien mielleux, moins moelleux, pardon. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment. Cuit à la sauce tomate, huile, c'est super bien assaisonné, ça a vraiment du goût. Enfin, je suis vraiment étonnée. De mon petit lunch
qui était super bon. Franchement, c'est super adorable, super agréable. J'ai aimé l'accueil et le cadre ainsi que la nourriture. Mais je vous cache pas que là, je commence un petit peu à fatiguer. Du coup, après mon déjeuner, je suis encore partie marcher dans le coin de Westland. Mais je me souviens, je suis tombée sur la vidéo d'un autre youtubeur qui était à Nairobi et qui disait qu'à Westland, on ne peut pas vraiment trop filmer. Et j'ai eu la remarque, je suis arrivée dans un petit mall. Enfin voilà, je vais faire la touriste, je pense que vous verrez 2-3 clips, mais j'ai eu une remarque de l'agent de sécurité qui m'a dit qu'ils sont pas autorisés à prendre des photos. Et c'est normal parce que Nairobi a déjà été, enfin le Kenya a déjà été victime d'attaques terroristes, et je pense qu'ils veulent pas vraiment, surtout dans ce quartier là qui est le quartier d'affaires, qu'on puisse prendre des photos, mais je le comprends totalement. Donc j'ai pas énormément d'images de lieux où j'ai pu marcher, mais j'ai pu prendre un peu de photos de la rue, enfin c'est voilà quoi. Et je vais me reposer un petit peu, éventuellement trouver quoi faire aussi, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une journée repérage et je commence vraiment mes activités demain. Donc je vais essayer de trouver quoi faire, quelque chose de plutôt chill et autre. En tout cas pour la fin de journée, et puis voilà, j'irai nager à la piscine qui est magnifique au passage, et éventuellement bah avoir une journée plutôt chill aujourd'hui parce que demain j'attaque le gros du sujet et je suis plutôt fatiguée. Je suis pas vraiment bien reposée, je crois que j'ai dû dormir 4h30, même pas 5h, donc voilà quoi. Il est temps pour moi de me reposer et je vous dis à plus tard. Je me suis rendu compte qu'il allait pleuvoir, donc j'ai fait en sorte de rentrer assez tôt parce que oui, nous sommes en mars et donc la saison des pluies commence. Et pendant mon trajet de retour, j'ai discuté politique avec mon chauffeur et c'était vraiment intéressant. And that means that she can pass any law when she's alone. Not when she's alone, but she can pass any law without the government voting for the next what few of months. Tunisia? Hmm? What of Tunisia? Tunisia. Tunisia, they will also protect. I don't think Tunisia has something to do with the situation, but Tunisia has a lot of. Oh, no, no.
chambre après une bonne séance de sport. J'ai dû faire après 1h15, 1h30 de sport. J'ai commencé par un peu de course et ensuite un peu de musculation pour finir enfin sur du HIIT. Ça n'a aucun sens dans cet ordre là, mais c'est pas grave. Du coup là il est 20h presque, il fait nuit noire. Je vous cache pas que en général quand je voyage seule, je me dis toujours que je ne sortirai pas le soir, mais j'ai un peu faim parce que j'ai pas mangé tant que ça en soi, mais voilà, j'ai pas mangé tant que ça en soi, donc je réfléchis à si oui ou non je sors pour aller acheter à manger. I don't know, ou je vois si je peux commander quelque chose à manger, mais en soi j'ai pas hyper faim, j'ai des pommes, j'ai de quoi, j'ai une part de céréales, donc je pense que ça devrait aller si je veux juste grignoter et tenir jusque demain matin. Donc voilà, je vais me prendre une petite douche tranquille. Et de là, je pense que je vais chiller dans la chambre jusque demain matin. Parce que demain matin, j'ai une super longue journée. Et je vais la commencer tôt. Je vais essayer de commencer pour 7h, comme ça. Enfin, 7h-8h, comme ça, je peux rentrer à la maison. Enfin, rentrer au Airbnb d'ici. Oh, je pense d'ici là, le coucher de soleil. Donc, ça me permettra au moins de pouvoir nager un petit peu dans la piscine. Sauf si je commence par nager le matin. Je sais pas. Mais bon, bref, je verrai dans quel ordre je fais tout ça. Et voilà. Maintenant ça fait 24 heures que je suis là et franchement je vous cache pas que j'apprécie énormément le fait que c'est une ville. Oh la sueur. Ouf. J'apprécie énormément que cette ville soit une ville où il est facile de marcher. En tout cas, du moins dans le centre où je suis, donc à Westland, j'ai marché beaucoup aujourd'hui. J'ai fait tous les trajets, que ce soit à part pour le dernier trajet qui était un peu plus loin parce que c'était à Kilimaru, je crois, Kilimaru, si j'ai pris Uber, c'était un peu plus loin. Mais en soi, que ce soit pour aller au restaurant, pour aller trouver des petites courses ou acheter ma carte SIM, j'ai tout fait à pied. Donc c'est super sympa et ça me permet aussi de rester actif parce que c'est super facile dans ce genre de ville ou en vacances de juste prendre des Uber et de juste... voilà, de pas rester actif quoi. Donc j'ai envie de rester actif, faire mes 10 000 pas par jour et faire mon petit sport. Je profite vraiment du fait d'avoir la salle de sport pour faire ça. Et voilà, donc là je vous cache pas que je suis assez KO, je vais prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. Et ouais, j'ai hâte de commencer la journée de demain et je suis super contente d'être là, les gens sont tellement gentils. J'ai pu discuter avec mon chauffeur du Uber, j'ai pu échanger aussi avec les gens que j'ai pu rencontrer. Donc vraiment c'est super, ça me fait tellement bizarre d'être en Afrique et pas au Congo. Et je suis pas habituée parce que j'ai déjà fait beaucoup de continents, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique latine plusieurs fois, je suis partie en Asie. Mais c'est toujours bizarre de me dire, purée, là, je suis sur mon continent, quoi. Je suis en Afrique, je suis chez moi. Et ça va être tellement bizarre, mais c'est un bon feeling. Donc voilà, je suis contente. La journée s'est bien passée. J'espère que les autres se passeront de la même façon. Donc voilà. I wanted to kind of bring out a few things for you guys. So, if you are new to the channel, guys, then you already know what it is. Et là, il n'y a pratiquement pas de lumière dehors. Donc, il n'y a clairement aucune chance que je sorte la nuit comme ça. C'est genre mort. Mort. À part si je prends un Uber d'un endroit A à un endroit B, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible que je me permette de sortir la nuit comme ça. Ça là, même si c'est quand même éclairé, c'est pas assez éclairé pour que moi je m'y promène et que je me sente safe. Donc, I'm gonna stay home tonight.